La parole va être donnée aux organisations qui appellent aujourd'hui à cette manifestation contre les lois liberticides du gouvernement et pour la défense de la liberté et de toutes les libertés. Alors je rappelle que nous avons demandé aux organisations qui interviennent d'être de façon à ce que ce soit audible par tous et que ça ne dure pas 3 heures. Ça aussi, ça fait partie de la liberté d'écouter chacun et de les entendre. Il semble répondre simplement à une volonté de généraliser une surveillance accrue et massive de la population, d'empêcher les professionnels de la presse et de l'image d'exercer leur mission d'analyse, d'empêcher les salariés et les privés d'emploi et les retraités de s'organiser. Assez, stop, ça suffit. Après avoir été matraqués, éborgnés, mutilés, nous voilà maintenant masqués, enfermés, isolés, verbalisés, appauvris et fichés. Le collectif Tout Jeune Essor rassemble des associations telles que Alternativa, ATTAC, Greenpeace, CGT, Solidaire, FSU au niveau national. Ces organisations ont proposé fin mai 2020 un plan de sortie de crise pour mettre fin à cette crise sociale, environnementale, démocratique et sanitaire qui n'en finit pas de miner notre société. Une politique violente de gestion des manifestations dans l'espace public. Il s'agit aussi de restreindre très fortement la liberté d'informer et ainsi la documentation des très nombreuses violences policières. Il a également décidé de renforcer le fichage policier des militants, politiques et syndicalistes. Dans le monde du travail, la répression est toujours aussi forte, visant les représentants du personnel et autres syndicalistes pour les virer ou les réduire au silence. Le fichage de l'arme de l'État. Lundi 4 janvier, le Conseil d'État a jugé arbitraire que la police et la gendarmerie pourront ficher l'activité et l'opinion politique, les appartenances syndicales et les données de santé au nom de la sécurité publique, de la sûreté de l'État, définies comme redouvrant les intérêts fondamentaux de la nation. Aucun douteur, aucune confession, aucune confession. Continuons le combat. Méthode répressive et violente des forces de l'ordre envers un peuple pacifique. L'arrêt des sanctions abusives et disproportionnées contre les organisateurs de festivals et de fêtes libres. Et surtout, la remise en liberté des organisateurs de la soirée de bureau. La manifestation aura lieu au départ au rond-point de Ponson à 14h. Samedi 30 à 14h au rond-point de Ponson.